Enfin, une véritable histoire peut commencer. Cette histoire a besoin d'une héroïne. Ou d'un héros. On va plutôt choisir un héros. Hein. Salut tout le monde, c'est Alex. Alors aujourd'hui, on va se retrouver sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, donc vidéo découverte sur la version PS4 de Tearaway. En fait, je dis pourquoi version PS4 parce qu'il y avait déjà une version PS Vita il y a déjà quasiment 2 ans. Si mes souvenirs sont bons, c'était en fin d'année 2013, en fait en novembre 2013. Il y avait eu donc la première version, donc version PS Vita, qui était franchement très sympa. J'avais vraiment kiffé. Et justement, là, ils ont sorti une adaptation en version PS4 tout à fait retravaillée. Hein. C'est pas un remaster ni quoi que ce soit. Enfin, c'est un vrai travail. Un vrai retravail, si on peut dire. Hein. Parce que bon, ça reste à peu près la même histoire. Mais ça a été vraiment refait pour la PS4, hein, pour la qualité graphique de la PS4, et avec des fonctions essentielles pour la DualShock 4. Alors on va découvrir ça ensemble. Alors donc là par exemple je dois maintenir R2 et L2, donc les deux gâchettes, et quand je bouge la manette, voilà, ça bouge le... ça bouge, comment dire, voilà, vous voyez de toute façon à l'écran, ça bouge la lumière, hop, et donc je lâche L2 et R2 pour lâcher l'étiquette. Là, autrement dit, je devais choisir mon héros. En fait, si je voulais une femme ou un homme, et ben j'ai choisi la petite enveloppe. Va devenir un messager. Le messager, voilà, il appelle le messager. Celui-ci porte le nom de Iota, et il a justement un message pour toi. Montre-lui ta lumière pour lui indiquer ta présence. Alors, ce qui me plaisait bien aussi sur la version Vita, c'était toutes ces petites mimiques aux petits messagers. Ah ben là, il a peur de la lumière. Oh, c'est pas croyable. Alors c'est un jeu qui est un peu dans la lignée de Little Big Planet, hein, pour ceux qui connaissent. C'est pas un jeu à prendre forcément pour tout le monde quoi. C'est vraiment un genre de jeu assez particulier, mais moi j'aime bien, ça change un peu. Et donc là par exemple je dois, en orientant la lumière, je dois donc diriger mon petit personnage, mon petit messager, vers une sortie d'ailleurs, je ne sais pas trop, peut-être par là, voilà. C'est un style en fait en carton. Justement le jeu nous propose de refaire quelques figures, on verra ça, quelques figurines pardon, en papier. Où est-ce qu'il nous manque ? Je me souviens pas de ça moi sur la version PS Vita. Oh, ça c'est très important. Prête attention aux écureuils. La parole des écureuils est d'or. La parole des écureuils, attention. Bonjour, je suis un écureuil guide. Je suis là pour vous aider. Super. Quand je voudrais t'expliquer quelque chose apparaîtrait pour te parler. J'espère qu'il va pas trop apparaître souvent parce que j'ai déjà fait le jeu. Si tu n'arrives plus à avancer, j'apparaîtrai en bas à droite de ton écran. Quand tu m'envoies, appuyer sur la touche bas. Et je vois le guide des curés. Ok, commençons par apprendre les contrôles de votre nouvel ami. D'accord. Alors, je vous rassure, hein, on le dirige pas tout le temps avec la lumière. Hein. La lumière, c'est uniquement, je pense, pour faire réagir, voilà, des objets comme ici. Ça fait éclore toutes les fleurs ou je sais pas quoi. Les morceaux de carton. Tu vois le lien se créer. Et regarde! Là-haut, un passage menant au monde des vous secrets. Un passage. C'est là que tu dois remettre ton message. Bon, ils ont tendance à nous prendre un peu pour des gamins quand même dans le jeu. Mais c'est ça qui est... Enfin, c'est tout public quoi, donc voilà. C'est un peu adressé en particulier, on va dire, aux plus jeunes. Mais c'est très sympa à faire pour tous les âges. Alors, donc pour le diriger, donc là on reprend les contrôles classiques. Tiens, d'ailleurs, je peux déplacer le gland. On reprend les contrôles classiques, donc avec le joystick et avec les deux joysticks. Pour l'instant, je ne peux pas sauter, j'ai aucune autre interaction. Est-ce que je peux prendre quelque chose? Non, je sais même plus comment on prenait sur la Vita. Sur la Vita, il y a pas mal de fonctions tactiles. Peut-être que là, on va les retrouver avec le tactile avant de la DualShock 4. On va voir un petit peu. Et je voulais vous montrer aussi le menu Start. Donc là, on a les statistiques, les marque-pages, Tearaway.me, donc ça c'est le site en question, guide de l'écureuil, donc ça à mon avis c'est voilà, tout ce qui est tutoriel, œuvre en papier, voilà c'est ça que je voulais vous montrer. Là-dessus en fait on va déverrouiller tout au long de l'histoire des patrons qu'on va pouvoir s'amuser à refaire en vrai. Donc voilà pour la petite anecdote, ceux qui sont intéressés, bon je pense que vous pourrez aussi les retrouver sur internet. Mais c'est sympa de pouvoir éventuellement, pour les plus jeunes, pouvoir refaire les personnages du jeu en papier, notamment lui par exemple, le petit écureuil, qu'on va pouvoir refaire. J'ai jamais essayé d'en faire un en vrai, mais ça peut être sympa. Ici, photo. Donc ça doit être, je pense, ouais, c'est les photos qu'on peut prendre de notre messager au cours de l'aventure. Un peu comme un mode capture en fait, dans un Drive Club ou autre, hein. C'est vraiment, voilà, c'est un mode photo classique intégré au jeu, et je crois que c'est partagé par la communauté aussi, parce que le jeu a des fonctions en ligne. Et ça marque pas, je sais plus trop ce que c'est. Il me semble que c'est pour refaire, les aventures du jeu en fait. Ouais, voilà, c'est bien ça. C'est parce que là j'ai rien pour l'instant parce que je suis tout au début. C'est pour refaire donc revenir en arrière au niveau des chapitres, etc. quoi. Donc ici on a accès à tearaway.me. Est-ce qu'on a accès au site directement? Non, pas... Ah si, quand même. Et là, donc, on a les premières photos des gens. Bon, c'est pas en extrême qualité, hein. Il y a même des petites vidéos, j'ai l'impression. On dirait des gifs. Bon, c'est sympa. Voilà, c'est un petit... des petites fonctions en plus, et je me souviens que, de mémoire, il n'y avait pas ça... il n'y avait pas ça sur la version Vita. Plutôt sympa. Alors moi j'ai vraiment commencé à apprécier le jeu au bout de quelques chapitres parce que c'est vraiment ça a un style particulier, c'est une ambiance particulière, ça change un peu, c'est un peu mini, c'est voilà, c'est franchement franchement sympa à jouer. Qu'est-ce qu'il dit? Je l'ai vu, le ciel s'est déchiré comme si la bouche s'ouvrait pour nous dévorer. Ouais. Alors ne vous inquiétez pas, c'est pas tout le temps comme ça, hein. Il va y avoir des ennemis, il va y avoir des petites épreuves à faire, il y a des petits challenges, il y a des petits objets à ramasser, c'est vraiment assez complet, hein. Les niveaux sont assez variés. Et pourquoi pas les corbeaux? Les corbeaux c'est terrifiant. Petite nature. Puis, la musique est là tout le temps. Il nous faut du jamais vu. Quelque chose de méchant venant du monde des vous. Quelque chose de ce genre-là. Oh, de très méchant, attention. Les voilà qui se déversent dans notre monde. L'histoire risque de mal tourner. Alors, de mémoire, eux, il fallait soit les prendre, soit leur sauter dessus. Voire même les deux. Il me semble qu'on pouvait les prendre et les jeter sur les autres pour les faire exploser. Ou alors, il fallait les mener dans certains trous, en fait. Et ils attaquent tout le monde. Oh, eh bien, quelle énergie! Ces personnes vont avoir besoin de votre aide. Ils vont nous anéantir. Et tu l'un d'entre eux, un esprit des ténèbres. Mais apportes-tu la lumière pour nous sauver? Qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je ne regarde pas. Ok. On va s'en occuper, t'inquiète pas. Ton guide lumineux va hypnotiser les scraps. Ah ouais, voilà, c'est ça leur nom. Ils le suivront, ou qu'ils aillent, et c'est sur les scraps. Ok. Alors apparemment, notre laser, ça c'est nouveau. Notre fameux laser. Voilà, ils nous suivent. Et justement, on va pouvoir s'en servir pour les emmener, voilà, dans le trou. Et hop, ça y est, ils sont déjà efficaces. C'était pas tout à fait la même chose sur Vita, je me souviens plus trop ce que c'était. Il me semble qu'il fallait glisser avec le touchpad pour ouvrir le piège et fallait diriger en fait dessus. C'est un tout autre gameplay en fait. Si j'éclaire, est-ce que ça fait quelque chose? Non. On va peut-être continuer par là-bas. Ils sont en train de se faire attaquer eux. Besoin d'aide. Non. Ah si, la lumière, j'avais oublié. Allez hop, dans le puits. Bon, c'est progressif, hein, je vous le dis tout de suite. Au début, c'est histoire de mettre en scène un petit peu le truc, présenter les personnages, voilà. Mais après, ça devient quand même plus costaud. Il y a des phases de plateforme. Ça ressemblerait à un petit peu à un Ratchet Clank dans certaines phases de plateforme. Ah voilà, je les ai écrasés. Mais en quand même plus simple, plus abordable, pardon. Alors, donc on a fait là. Est-ce que là c'est ouvert? Non, pas encore. À mon avis, il doit rester de l'autre côté. Je les vois pas. Qu'est-ce qu'ils sont? Ah ok, c'est les arbres, d'accord. Les tentacules, ils appelaient ça. Vu que tout est en papier, on a du mal à distinguer ce que c'est. C'est marrant, quand je l'éclaire, ça l'aveugle. Alors voyons voir ce qu'il y a dedans. Parce que moi je me rappelle qu'il y a des trucs à trouver. Non, il n'y a rien là-dedans. Il n'y a rien de spécial. De mémoire, on pouvait aussi le customiser, notre petit perso. On pouvait lui coller justement des petits skins, on pouvait lui coller de différents yeux, etc. C'était plutôt sympa. Et puis ajuster la taille, j'essaierai de vous montrer ça si on y a accès. Ils sont encore là eux. Allez hop, on les écrase. Moi, je crois que j'ai sauvé tout le monde, je suis le héros du village. Très bon travail. Vous avez chassé ces satanés boîtes à yeux. Mais je les soupçonne d'avoir plus d'un tout sous leur peau. Pardon, mais il s'agit de mon histoire. Très bien. Le décor est planté. Les rôles sont distribués. Tu vas maintenant devoir guider Iota pour l'aider à remettre son message. Dirige-toi vers cette trouée dans le ciel. Bonne chance. C'est mon histoire. Bonne chance. Là, je pense, ça y est, on va attaquer la vraie histoire. Alors. Donc, en fait, c'est un open world, hein, quasiment. Ramasser. Ah oui, c'est eux qu'on peut prendre, je crois. On peut prendre et les balancer sur les autres. Il me semble qu'il y a un trophée en plus pour ça. Le cadeau rouge sur la plateforme, le cadeau bleu à gauche là-bas. Nous les écuries guides, nous avons mis des confettis pour les garder en lieu sûr. Ok, ouvre les rouges en appuyant sur le pavé tactile. Quant au bleu, il faut réaliser quelque chose d'incroyable ou aider quelqu'un pour pouvoir les ouvrir. Ok. Il me semble, il y avait un truc, pour les balancer entre. Déjà eux, en fait, ils servent déjà à ouvrir certains cadeaux. On va essayer de voir si... Hop. Alors, à mon avis, il faut peut-être le balancer. Mais voilà, dans ce sens-là. Tac. Non, peut-être trop fort. Non. Ça ne marche pas. Ça nous fait rebondir. Tout est en papier, c'est vraiment bien foutu. Ah, peut-être pour nous. Hein. Je suis en train de réagir. C'est peut-être pour nous. Appuie sur le pavé tactile pour ouvrir le cadeau. Donc un appui simple. Ok. Cadeau collecté. Alors je sais plus à quoi servent les fameux points qu'on a perçus. J'ai dit en appuyant sur le pavé tactile ou quoi, flèche de gauche, bah non. Enfin bref, j'aurai sûrement l'occasion de vous remontrer. Un nombre de points et je sais plus du tout à quoi ça correspond, enfin à quoi ça nous sert. J'imagine que ça nous sert à acheter, les skins. D'accord, il va falloir en sortir. Donc là, j'imagine les esprits. Ok. Ah ouais, c'est pour ça le trophée. Si tu arrives à faire passer un rongeur dans chacun des 3 anneaux, je t'offre ce cadeau. Voilà, il me semble qu'il y avait un trophée pour en faire passer un ou quelque chose comme ça. Je sais plus si. Je crois bien que c'est les mêmes trophées en fait que la version Vita. Hop. Et c'est vrai que sur Vita, il était déjà très joli, pardon, décidément. Et là, pour la version PS4, ils l'ont quand même bien retravaillé. Ils l'ont même carrément refait, en fait, hein, parce qu'il faut, le faire avec un moteur PS4. Bon, je lis pas tout, parce que je connais... ça me saoule un peu lire. Ça parle beaucoup, quand même. Allez, hop. Zap. Je sais ce qu'il faut faire. Enfin, ouais, je dis je sais, mais... En fait, quand je fais carré pour le prendre... Oui, mais il me redit la même chose. Oh, ça... D'accord, ça les aveugles 2. Je vais en prendre un autre. Parce que lui, voilà, je faisais carré, ça lui parlait. Alors, de mémoire, il faut se mettre comme ça, hop, et voilà. En fait, on se sert du rebond. C'est plein de petites activités comme ça, quoi. On se sert du rebond du truc. Par contre, ça, la feuille de papier, est-ce qu'on peut... Ah, ça va être chaud. Ou peut-être comme ça. Voilà. On va reprendre le même. Le même, et c'est toutes ces petites animations, toutes ces petites mimiques qui sont sympas. Merde, c'est pas la bonne direction. Yes, je sais même pas si je l'ai mis dedans. J'ai pas vu, il aurait fallu un ralenti. Tu as réussi, vous savez, c'était dur. Voilà, je vous le disais, le fameux trophée. Coup de pouce. Donc voilà, c'est ça, c'est ces petits rubans à collectionner qui après vont nous permettre de d'ajouter par exemple des skins comme là on voit par exemple un timbre derrière mon perso. Ça nous permet de changer les yeux, d'ajouter un nouveau nez par exemple, de le customiser en fait, hein, tout simplement. Mais on va pas lui parler, j'ai pas envie. J'ai envie de continuer l'aventure parce que si on parle à tout le monde ça va prendre 2 ans. Je regarde un petit peu le décor, c'est quand même super fluide, ils l'ont bien foutu. Alors, il y a des objectifs cachés. Il y a des fois, il faut servir de ces pommes-là. Et des fois, il faut même aller assez loin. Pour essayer de deviner à quoi ça sert. Alors là, par exemple, c'est pour eux. D'ailleurs, ils me la rebalancent. Il y a un moment donné, je crois, dans le jeu, où on doit justement se battre avec les écureuils. Avec ce genre d'objet. Et donc il y a certaines phases en fait qu'on ne pourra pas faire de suite, il faudra peut-être revenir un peu plus tard parce qu'il faut, il faut un pouvoir particulier ou une aptitude particulière. Donc on ne peut pas tout faire de suite. On a déjà l'option de prendre les objets, c'est déjà bien. Hop, magnifique. Je suis étonné qu'il n'y ait pas plus de musique que ça, peut-être que c'est après, de mémoire la musique s'active quand il se passe quelque chose. Qu'il y a un truc, voilà, qu'il y a un truc important quoi. Et hop, on va grimper. Bon, c'est pas compliqué du tout. Il y a pas énormément de difficultés dans le jeu hein, globalement. C'est vraiment un jeu pour, comme je disais, hein, pour tout public. Voilà, donc il y a aussi des personnes comme lui là, qui nous dit, il nous interpelle, il nous demande une petite mission, mais on la fera pas. Tiens, prends ça. Ça l'a même pas écrasé. Nous on va quand même suivre la trame principale. Et lui aussi, tout le monde nous demande des services. On va continuer un petit peu. Moi j'aime vraiment bien ce style. Au départ en fait sur la version PS Vita j'étais pas trop emballé pour le prendre. Au début je trouvais ça un peu gamin comme jeu en fait. C'est vrai que ça donne un peu l'allure, vous avez vu comment il parle, vous avez vu un petit peu ce qu'il faut faire, c'est un peu mou et tout. Et puis au final, on s'y prend et il y a de plus en plus de choses à faire. Les ennemis et tout, c'est franchement c'est sympa. Puis sur la touche R3 maintenant pour décorer le messager. Ah ben voilà, c'est ça que je vous disais. Donc là, on va pouvoir par exemple choisir les yeux. Oh, c'est sympa avec la lumière, il suit. On va pouvoir par exemple L1 ou R1 pour sélectionner les bouches. Voilà. Donc on n'a pas accès à tout pour l'instant. R2. Et donc là, voilà, je vais pouvoir lui poser une bouche. Utiliser 30 confettis. Donc voilà, c'est ça. Les confettis pour poser la bouche. D'ailleurs, ben, je l'ai déjà posé là. Qu'est-ce qui me... Voilà, allez, je vais la mettre là. Voilà. Et on peut tourner autour. On peut même zoomer énormément si on veut. Ça pourrait être un messager, c'est un messager. Terminé. Il y avait un mode où vous pouvez se prendre un selfie. Le fameux mode photo que je vous disais là. Tu peux supprimer ou redécorer presque n'importe quelle partie de ton messager à tout moment. Il suffit d'appuyer sur la touche R3. Ou alors on peut utiliser une... Ouais, ils ont sorti une application compagnon pour décorer le messager sur iPhone et Android. Bon, c'est bien la peine alors qu'on peut le faire dans le jeu, quoi. Mais bon, c'est toujours sympa. On va continuer un petit peu. Les amis peuvent utiliser l'application PlayStation App comme une fenêtre supplémentaire vers ce monde. Ah d'accord, ok, donc c'est carrément sur l'application PlayStation. Et des découpages tout nouveaux. Pour envoyer les photos. À voir comment ça fonctionne. En tout cas, c'est sympa. Il y a plein de combinaisons possibles. Hein. Là, c'est vraiment, c'est juste que le début. Il y a plein de combinaisons possibles. Je me souviens pas de cet endroit non plus. J'ai vraiment l'impression que... Peut-être ils ont rajouté, à mon avis, ils ont rajouté des chapitres ou des choses comme ça. Parce que je me souviens pas de ça. Je sais que de toute façon ils avaient parlé qu'ils allaient faire une édition beaucoup plus complète en fait. Beaucoup plus complète avec pas forcément plus de niveaux mais surtout plus de fonctionnalités en fait. Donc si ça se trouve ils ont peut-être rajouté des niveaux en même temps. Besoin d'aide. Appuie sur L2 et R2 pour allumer. Ok. Regarde, je dirige-la sur moi pour que je puisse présenter la pièce. Voilà, c'est fait. Ah d'accord, ok, à mon avis, il faut le suivre pendant qu'il présente la pièce. Oh là là. J'espère qu'elle dure pas super longtemps, sa pièce non plus. Alors, Marcel d'invitation encore. Il est parti. On va aller le voir. Où est-ce qu'il est passé? Si j'éclaire, non. Continue pas sa pièce. Il nous a peut-être ouvert le fameux passage. Je suis dans le coffre. Ok, on l'a enfermé. Lance des pommes dessus. Ok. Ouais, c'était pas très compliqué. Pour info, pour lancer les pommes, j'appuie sur carré. C'est pas super compliqué. Dessiner un contour, le contour d'une couronne avec ton doigt sur le pavé tactile. Oula, j'ai fait n'importe quoi. Merde. Ouais, c'est pareil, je me souviens sur Vita, j'avais fait un truc, mais genre horrible. Le contour d'une couronne. C'est compliqué ça. Mais dans quel sens? Sur ça, je comprends pas. On va essayer comme ça. Oh merde. Ça fait de la merde. Allez, on va reprendre une dernière fois, je vais essayer de m'appliquer. À présent, on fabrique... Ah bah, je peux pas revenir en arrière. Ah si. Bon, je suis vraiment nul. Hein. En fait, sur la vitesse, c'était plus intuitif. Là, c'est un peu galère. Pourquoi c'est en deux... Je vais pas faire comme ça, moi. Bon, allez, vous savez quoi, on va faire un cercle. Ouais, Allez, un cercle comme ça, hein. Une grosse patate. Maintien R2 enfoncé pour ramasser. Ok, super. Il fabrique un joyau. Donc là, R2, sélectionner la couleur. Dessine un joyau sur le pavé tactile. Je sais pas, je fais n'importe quoi, on verra bien ce que ça donne. Maintien R2 enfoncé pour ramasser. Ok, on va mettre ça là. Voiture initialisée à scène. Ok. Je vois pas trop. Quand tu as terminé, place la couronne dans l'enveloppe. Tu veux que... ça va faire de la merde. Ah d'accord, ok. Il la pose comme ça. En fait non, on va la modifier je crois. On va essayer de faire un truc un peu mieux quand même. Voilà, déjà ça, c'est déjà peut-être un peu mieux. Et ensuite, je sais pas si je peux pas changer la couleur instantanément. C'est dommage. R2 sélectionner la couleur. Ouais mais là du coup ça va faire de la merde. Si je me mets là, non, c'est pas ça. Je peux pas faire ça. Oh non! Il m'a effacé l'autre. Bon, on va revenir comme ça. Voilà, cette couleur-là. Voilà. On va laisser comme ça. Après, peut-être il va se débrouiller pour le contour. On verra bien. Voilà, on va les mettre comme ça, là. Hop. Parfait. Allez, débrouille-toi comme ça. Ça ira bien. Chapeau l'artiste, ouais, t'as vu ça, on s'est repris 3-4 fois, mais on a fait un truc pas trop mal. Moi sur Vita, j'avais fait un de ces trucs. Allez, on continue. J'ai pris une pomme au cas où. Oula, attention, ça sent l'ennemi. Au cas où imprévu a tout emporté. Oh merde. Alors, rond lancé. Oh zut, tu peux même pas lui lancer dessus. Non, ça passe pas. Avec la lumière. Oh, avec la grande magie, les couronnes. C'est magnifique. Tu peux me prendre en photo avec ma couronne, s'il te plaît. Ah, ça, j'en souviens. J'en souviens qui demande de se prendre en photo. Ça c'est de l'appareil photo. Alors ok, donc là ça utilise en fait la six-axis, le mouvement en fait de la manette. Alors on fait un focus en appuyant hop sur le pavé tactile. C'est lui ou c'est l'autre qui voulait prendre en photo, je sais même plus. Non, je crois que c'est lui. Je vais prendre les deux en photo, comme ça on ira bien. Hop, garder la photo. Partager la photo, tiens voilà. Oula. Là je vois pas trop. Je peux pas la partager. C'est un peu dommage. Bon, on va faire garder la photo. Peut-être il faut se connecter au compte Tearaway.me, à mon avis c'est ça. Si tu veux garder l'appareil photo, je te l'offre. C'est un bon appareil, tu sais. Tu peux même prendre des photos de toi. Vas-y, essaye. Voilà, c'est là. On va se prendre un selfie les gens. Alors de mémoire, voilà, on fait comme ça. On peut bouger la tête et tout carrément. Yeah. T'as vu ça? On se prend comme ça. Attends. Voilà, comme ça. Et incline un peu la tête. Oh, non, en fait non, pas comme ça. Poubelle. Allez, reviens. Un truc pas trop mal. Ouais, je l'oriente en fait avec le joystick. Voilà, comme ça. Petite photo classe. Tranquille, voilà, comme ça. Hop. Pas trop mal, il y a même l'autre avec nous là. Voilà, partager la photo. Ah, je peux pas. Moi, je ne peux pas partager la photo. Bon, on va faire garder la photo. Ça se trouve, j'ai déjà partagé, je sais pas. Fais bien attention à toi. Ok. Donc là, on va avoir un petit peu tous les ingrédients pour commencer à jouer correctement. Ah, voilà Iota, notre messager. Et je vois que tu es toujours avec nous, quelque part à nous observer en appuyant sur des touches. Alors au sujet de la livraison de ce message, cette trouée est incroyablement haute. Vous allez pouvoir vous servir des arbres du verger qui est là, mais d'abord, il va falloir les aider. Chassez les scraps, ramenez la lumière et la couleur. Rendez-leur la musique. Ce verger a besoin de faire la fête. Redonnez-lui le goût de vivre. Allez, envolez-vous. Envolons-nous. C'est parti. Ah, je me souviens d'un mode maintenant. Il y avait une fonction pour se mettre en boule. Comme ça, on avançait beaucoup plus vite et on pouvait éventuellement passer dans certains passages qui étaient assez petits. On pouvait pas passer comme ça sous la forme qu'on est là. Et ça permettait de faire des parcours de vitesse. C'était plutôt sympa. Ok. À mon avis, ça va être le chapitre 1. Ouais, photo, j'en ai déjà fait 2. Marque-page. Ah, donc, ouais, non, je suis au chapitre 2. Ça va vite, hein. Ça va assez vite. Allez, je les balance. Si ça se trouve, à mon avis, il faut tirer dessus, l'autre, là. Ah, je peux pas l'atteindre. Dommage. Et là, je fais comment? Ah oui, alors il me semble qu'il y avait L2 et R2 pour allumer. D'accord. Ouais, donc en fait, tout ce qui était au tactile sur la version PS Vita, c'était vraiment remplacé par le L2 et R2. Parce que sur la version PS Vita, en fait, on glissait comme pour déverrouiller l'iPhone, ceux qui connaissent, ou même les autres smartphones. On glissait comme ça et ça dépliait le papier. Et on devait en même temps passer. D'ailleurs, il y avait des jeux d'adresse, on devait le faire vite fait, en déplier, en replier pour se tracer un chemin, quoi, en fait. Et du coup... Ok, du coup, je vais peut-être revenir en arrière, il y a peut-être un truc à voir, en fait. On va revenir vite fait en arrière. Voilà. Donc voilà, en même temps qu'on avançait, d'ailleurs, je peux même maintenir L2 et R2 pendant que j'avance. Oh merde, je suis tombé. Bon, je crois que je peux plus revenir en arrière. C'est ballot. Bon, bah c'est pas grave. Je pense que je referai le jeu de toute façon parce qu'il y a plein de petits collectibles un peu partout. Et donc ouais, sur PS Vita, c'était tout au tactile tout le temps, donc il fallait à la fois avoir le pouce dirigé sur le joystick pour diriger donc notre personnage, et puis éventuellement pour déverrouiller donc ces petites plaquettes de papier. Donc c'était quand même assez chaud. Là avec les joysticks, ça va quand même, avec les gâchettes pardon, ça va quand même plus simple. Ah oui, il y avait une fonction aussi pour ce genre de tambour. Sur la PS Vita, on appuyait sur l'écran tactile de derrière en fait. Et ça nous faisait rebondir. Et là, comment ça se passe? Place le messager sur la peau de tambour et appuie sur la touche du pavé tactile, puis relâche là. D'accord, donc là c'est le pavé tactile qui joue le rôle de pavé tactile arrière de la Vita en fait. Donc là, moi je collectionne un maximum de trucs. D'ailleurs, je vais le prendre avec moi. Il y a une fonction, voilà. Hop, hop. Ouais, c'est tout autant intuitif en fait. Hein, Merde, où est-ce que je suis passé? Ok, j'étais dans un bug, j'étais derrière. tout autant intuitif, voire même limite plus facile en fait, parce que sur la manette de la PS4 c'est vraiment bien fait. Donc là il faut attendre en fait que le passage s'ouvre. Allez, mais c'est fait. Il faut attendre, souvent je suis... Oh putain. Souvent je suis couillonné sur la version... Vita comme ça, parce qu'on n'a pas vraiment l'impression de perspective, qu'il faut tourner la... Mais c'est pas vrai, j'ai appuyé sur sauter, et il saute pas. Il faut appuyer, en fait il faut tourner la caméra comme ça, histoire de voir vraiment la perspective du truc. Voilà. On va attendre. Voilà. En fait il faut vraiment appuyer avant. Ça c'est compliqué... On fait les courses, ce sera un peu plus tard dans le jeu, les parcours et tout sans crever, c'est pas évident. Alors, oui, alors ici c'est aussi une fonction qu'il y avait sur pareil sur la Vita. Bon, en même temps, pas étonnant, c'est le même jeu. Alors, d'avant les scraps ont volé ma couronne et maintenant ils volent mes couleurs. Oui, donc il faut récupérer ses couleurs et lui ramener. Est-ce que tu peux prendre une photo de moi ? Ok. À mon avis, on va servir de la photo de... ok. Oh, on va changer l'arrière-plan. Magnifique. On va servir, à mon avis, de la photo de l'autre. Voilà. Et avec ça, ça lui redonne ses couleurs. Hop. Ouais, en fait, se partage instantanément. Donc c'est tout simple en fait, pour leur redonner leur couleur et pour les prendre en photo. Je me souviens un petit peu de ça. Donc la caméra fait un peu n'importe quoi. Hein. Merde. Je vais retomber. Ah, il y avait d'autres trucs là-bas, voilà, je me disais. Alors de mémoire, je me rappelle maintenant, sur Vita, se mettre en boule, c'était la touche rond. On peut aussi leur lancer des choses. Ouais, ça j'ai remarqué. C'était la touche rond, mais là, j'ai pas déverrouillé encore la fonction. On va regarder. Tiens, je vais relancer ça. Allez hop. Ils m'ont repéré, je crois. Allez, immobilisation. Ça c'est pratique. Et en plus je peux les envoyer dans le vide. C'est pas beau ça. Appuie sur le pavé tactile pour obtenir une pomme. Ok, il la bouffe, super. Donc là il me l'envoie, d'accord. Super. Est-ce qu'il faut que je la mette là ? Il me semble qu'il y a un truc à faire. C'est subtil hein, quand même. Allez, donne-moi une... Ah, peut-être qu'il faut que je revienne en arrière. Ah, voilà. C'était là. Ah ouais, là, pareil. On va la prendre en photo. On va pas partager ça non plus, hein. On va pas tout partager. Donc tout est animé comme ça, c'est sympa. Non, c'est facile. Et voilà. Ah, les méchants nous attaquent. Hop, immobilisation. Où est-ce qu'on va pouvoir les mettre? Peut-être ici. Ah ouais, voilà, on pouvait aussi, je me rappelle aussi sur Vita, on pouvait voilà, les faire sauter sur le trampoline, ça les hypnotise, et justement après on peut s'en servir pour les balancer contre les autres. Ah, uniquement les pommes. Autrement dit, ça. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais, voilà, il faut appuyer donc sur le pavé tactile. Là, on commence à voir un petit peu toutes les fonctions du truc. C'est pour ça, là... Déjà, sur Vita, ils avaient vraiment exploité toutes les fonctions de la Vita. C'était vraiment le jeu qui exploitait toutes les fonctions. Elles sont là. Hop. Et là, j'ai l'impression que sur PS4, c'est pareil. Ils utilisent un max des fonctions de la DualShock 4. Et c'est franchement pratique. Hop. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas tant de jeux que ça. Je regarde, mais on n'a pas tant de jeux que ça, en fait, qui ont des fonctions six-axis, des fonctions tactiles. Généralement, c'est juste un bouton, en fait. On appuie juste sur l'écran et puis c'est tout. Hop, donc là on fait disparaître le décor, pareil avec L2R2. Même chose ici. Ah, qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Non, rien de... Ah si. Ah, quelqu'un qui dort. Je pense qu'on peut pas l'atteindre d'ici. Alors pour déclencher les actions, il faut tout réveiller. Même lui là. Ouais, je pense que j'ai tout fait. Ah, peut-être pas celle-ci, pas totalement. Là-bas. Ah, par contre, il reste pas longtemps. Voilà. Hop. Et des fois il faut maintenir en fait R2 et L2 en même temps, parce que sinon le truc il redevient à l'état où il était avant. Là ça va commencer à être chaud. Alors, besoin d'aide. Utilise-le pour éclairer le papier journal et pour une... Ouais, ok, d'accord. Là, voilà, il va falloir se servir. Hop. L'humidité. Il m'a donné une pomme. Et là, la pomme. Il va falloir que je revienne. Et que je la mette là où il me l'a demandé. Sûrement là. Non. C'est là où je l'ai mis tout à l'heure. Alors... Ouais, il m'a tourné la caméra. Ok. À mon avis... Souvent c'est les petits... C'est les petits écureuils qui volent les pommes. Là, je peux pas monter. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de fonction saut, alors il faut faire gaffe. On peut se servir en fait que des tremplins qu'il y a à droite à gauche. Et j'ai l'impression que non, c'est pas ici. Il faut bien continuer. Merde. Merde, je l'ai perdu. Elle est passée où? Elle est tombée. Oh putain. Elle est tombée. Oh non. Hop. Voilà, donner à l'autre. Mais il est con quoi. Allez, on va te la redonner. C'est pas de la merde avec. Voilà. Donc là, ça nous tend un chemin. Pratique. Et des fois, il faut se creuser un peu la tête. Hein. Lui, on va le réveiller. Allez hop. On va le réveiller en le balançant là-dessus. Merde. J'ai loupé. Ça aurait été marrant. Ok. J'avais le même problème sur la Vita. Le même problème, c'est-à-dire que si on se met trop près du bord, le saut compte pas quand on appuie. Ah, un méchant, il m'a touché. Allez, jolie moquille. Ah oui, c'était bloqué par la plante carnivore, non? Ça va se mettre là. Allez, on recule un peu, c'est pas évident de viser pile comme il faut. Allez, mets-toi là. Voilà. Il y en a deux maintenant. Et hop, tout ça à la poubelle. Il y en a encore un. Allez, on va le faire bouffer par l'autre. Voilà. C'est sympa, hein, qu'est-ce que vous en pensez de ce petit Tearaway? Vous me direz votre avis dans les commentaires. Encore une fois, ça commence tout doucement, c'est sympathique, c'est un jeu, voilà, faut prendre, faut y jouer. Peut-être reposer, c'est vraiment un petit jeu. Après, le bas qui blesse, c'est que cette version PS4 elle est quand même excessivement chère. Je l'ai acheté 50 € sur Amazon. Je trouve ça super cher pour un portage. Après, c'est un jeu que j'ai adoré faire sur la Vita, donc bon, j'ai pas trop de regrets. Mais c'est vrai que quand je vois d'autres jeux comme Mad Max, j'ai pu avoir 40 € en bon plan. Et que là je vois à 50 € ce genre de jeu qui s'unit quand même assez vite. Il y a de quoi quand même, il y a de quoi se poser des questions, il y a de quoi hésiter, il y a de quoi prendre en occasion surtout. Donc à mon avis il faut que j'active la fleur et là hop, voilà, petit jeu d'adresse. Et voilà, là ça active le pont. Donc voilà, à voir sur le prix, si je pense qu'il va rapidement baisser. Donc, je vous conseillerais peut-être d'attendre pour ceux que ça intéresse. Putain, je suis tombé. Je vais faire la vidéo où je tombe le plus, ce sera ce jeu. Allez hop. Ah, c'est quoi ça? Je peux le prendre en photo? Non. Et bon, on va s'arrêter là-dessus. Je ne vous dirai pas. Vous saurez en faisant le jeu. Voilà. Donc bah, comme je vous disais, à vous de voir si vous souhaitez vous procurer le jeu ou pas. Ce sera sûrement un jeu offert avec le PlayStation Plus dans les années à venir. Donc je pense que ceux qui ne sont pas trop pressés, vous devriez peut-être attendre. Il sera sûrement proposé gratuit ou en réduction dans pas longtemps. Sur ce, ben, je vous remercie quand même d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié le jeu. Et puis ben, on se retrouvera très bientôt pour d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube, j'en ai pas mal en préparation. Et puis ben, si vous voulez être au courant de toutes mes dernières vidéos, et ben, vous pouvez me suivre sur Twitter et Facebook, je vous mettrai le lien dans la description. Allez, salut tout le monde!